nous deux, ocre de malheur! Ouais, je sais, j'ai pas d'épée, mais de nous deux, je suis le plus fort! Alors. C'est un an après, et la princesse Rose est toujours un petit peu bête. On s'est mariés, elle veut des enfants, moi j'en veux pas. Parce que je veux pas être chevalier, je veux rester dentiste. Et puis, comme elle est un petit peu bête, elle va faire une grosse bêtise. Et du coup, l'ogre va revenir. Et donc, il va falloir encore recevoir la situation. Mais en fait, on va découvrir la vraie face cachée de l'ogre. Enfin tranquille et enfin libre, nous aimons. Et c'est pour vous, vous le savez, que mon cœur vit. J'allais dire pareil et convexe, ce beau royaume. Il me dit chope. Hein. Ah bah, attendez, il doit avoir envie d'un sacré bon savon depuis le temps qu'il est dans cette boîte. Vous iriez acheter un savon si vous étiez un ogre? Oui. Sans vous vexer, princesse, je vais suivre ma première. Je suis venue déjà plusieurs fois, c'est génial. D'accord. Les enfants adorent et moi aussi.